C'est bon. Avec du bruit. C'est de l'eau. Écoute. Voilà. Et je me moque surtout pas. Hein. Voilà. Bah écoutez, mes choubidous, ben voilà. Vous allez voir la vidéo. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ok. Bye bye. Je vous dis, c'est pas. C'est juste un essai pour rigoler. C'est juste un essai. Je me moque pas parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont comme ça avec le ASMR, mais j'avais envie. Ça peut faire comme bruit. Voilà, en fait, c'était juste une boutade pour. Je ne suis pas faite pour faire de l'ASMR. Dites-moi si je suis faite pour faire de l'ASMR. Mais je ne crois pas. Par contre, je peux faire du ASMR en étant en colère. Nana, toujours la pub. Nana, nous ne sommes pas des huîtres. Je dois le dire. Bref, sur ce, bah, je vais faire du bruit avec un cactus. Ça peut être rigolo. Oh, écoutez ça, ça va vous faire dormir. Je me moque absolument pas du ASMR, c'est que moi je suis pas faite pour ça. Mais je pourrais, mais je veux pas, parce que je suis pas comme ça. Quelquefois, en fait, ben, je fais beaucoup, je pratique le Namyo Rengekyo, ça c'est quelque chose que je pratique, ce matin je l'ai fait. D'ailleurs, je vous recommande une personne qui est super, c'est Alex Cormon, Alexandre Cormon. C'est un coach que j'ai connu il y a très longtemps et qui monte, mais en flèche, mais monte. Il a, je sais pas combien, 100 000 abonnés. Au début, il n'avait pas beaucoup d'abonnés, très peu, peut-être 10, 15, 20, 50. Mais c'est quelqu'un qui est très bien parce que c'est quelqu'un qui vous motive. Vous voyez, là, c'est des objectifs que je me suis fixés la veille. Je vous recommande de le faire. Alors maintenant, on va le faire avec ASMR. Alors, je vous recommande le mercredi. Pourquoi le mercredi? N'importe quoi. C'est ce que j'ai marqué mercredi. Je vous
recommande la veille des crayons. Trois choses que vous allez faire le matin, parce qu'il faut que vous ayez la pêche, la pêche, la pêche. Alexandre Cormon, allez le voir, il est génial. Donc, moi je me suis dit, la veille je vais pratiquer le bouddhisme le matin. C'est-à-dire le Namyo Rengekyo devant mon hôtel bouddhique. Après, je vais ranger ma cuisine. Étant un peu feignasse, elle n'était pas sale, c'était juste les placards. Parce que quand j'avais été malade, il fallait que je range les placards. Donc, il fallait que je range les placards. Voilà, il fallait que je range. Je vais aller voir le médecin. Je suis allée voir l'ostéopathe. Voilà, crânien. Voilà, en fait, ce qu'il faut, et ça m'a fait du bien, ce qu'il faut, c'est écrire comme ceci les trois choses que vous voulez faire. Et vous avez la gnaque. Et Alexandre Cormon est super. C'est pas, je pas du tout un partenariat parce que je le connais et qu'il est très gentil et qu'il m'a beaucoup coaché pendant un moment. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et qui fait des lives tous les jours en ce moment. Alors allez vous abonner à sa chaîne. Vous dites même, c'est, je viens de la part de Sybille. Je pense que ça lui fera plaisir. Ça me fait plaisir à moi aussi. Sur ce, ben, ma vidéo est terminée. Bisous, bisous. I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Te amo. I love you. Ich liebe dich. Te quiero. Te amo. Bye. Voilà. Eh bien, écoutez, abonnez-vous. N'hésitez pas. Bye. Ciao. Si vous voulez voir les délires de Sybille en ASMR.